Nous sommes dans les ténèbres. Sur ces belles paroles, sur ces prières. Donc, hop, on revient à la lumière. La lumière apparaît, mais oui, ce soir, on va voir la lumière. C'est cool, quoi. Ouais, on va voir de la lumière. Comme là, là j'ai un halogène, j'ai vu la lumière. Donc si y a de la lumière, c'est qu'on va sortir de ce château sombre, hein. Ce sombre château. Donc oui, en fait, c'est une petite intro d'une cover que je suis en train de faire d'un morceau de Shaman. Shaman, en fait, pour ceux qui connaissent pas, c'est le groupe qui a fait André Matos, l'ex-chanteur de Angra, il a reformé un groupe qui s'appelle Shaman. Et ça, c'est l'introduction du morceau qui introduit Fairy Tale. Et donc là, vous avez pu entendre ma douce voix. J'étais en pleine prière. Donc, soirée religieuse. C'est le dernier stream sur The Shadows of Sergoth. Et puis voilà, quoi. J'ai rien d'autre à dire. J'ai rien d'autre à dire. Tiens, c'est barré, ça. Hein. Où est-ce que j'aurais mis ça? Ouais, parce que quand j'éteins un stream, je laisse tout en off. Et puis comme j'y retouche pas... Avant le prochain, ben, des fois j'oublie que j'avais mis les curseurs à zéro. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas eu de son. Oh tiens, OBS qui commence à planter, ça faisait longtemps. Et donc ce soir, il y aura des monstres. Ça c'est marrant, ça me fait marrer ces conneries là. J'en ai un autre comme ça, source média, celui-là. Dormez. Ça me fait marrer. Bonsoir Purple Grift, Yox 80, Solorenzo, donc voilà, donc c'est plus du power metal. Ouais, je suis en train de faire des covers de Angra, de Gamma Ray, Stratovarius, des trucs comme ça au chant, pour apprendre, voilà, la soif d'apprendre, la soif de progresser. Alors, on va progresser aussi dans le jeu. Open. Alors, où est-ce qu'est cette fichue disquette? Donc, ça doit être certainement dans document. OBS. Là. Face A. OK. Machin, nanana, nanana. Connard. Hop, tiens, on va dégager ça. Il nous fait chier à chaque fois que c'est sa cassette là. Alors, 4. Par contre, je vais peut-être remettre le son du bureau. Bien le bonsoir, le streamer avec les yeux et les cheveux. Les cheveux, ouais, alors les yeux, heureusement, quoi. Sinon, je serais un petit peu dans la merde si j'avais pas de yeux.
Si j'avais pas de neuil. Bon, ça me fait chier là. Hide the mouse, non, ça m'emmerde. Hide mouse pointer, si moi je veux voir la souris, je veux voir sur quoi je clique. Run, guillemets, disque. Donc, on est arrivé au niveau 15. Donc, faut qu'on fasse le niveau 15. Et le dernier niveau du jeu, c'est le niveau 16. Très symphonique comme groupe, ça. Ouais, j'aime bien, moi, Stratovarius. Bon, symphonique, pas trop encore. C'est plus power metal. Symphonique, je dirais plutôt Rhapsody of Fire. D'ailleurs, j'ai fait aussi une cover de Emerald Sword. Des petits trucs de test pour... voilà. Tiens, salut Tarodius. Ah oui, il faut que je baisse le son parce que vous allez avoir ça dans le retour, ça va pas le faire. Voilà. Continuez. On insère la face B. Qui est là. Voilà, je me trompe pas. Hop. Oh, je me suis même pas fait de café. Merde, ma tasse est vide. J'allais me faire un café tout à l'heure. Après le niveau 15. Donc, on était là. La map. Ouais, on était au niveau 15. L'avant-dernier niveau. Donc, ça va durer une plombe. Ça sert strictement rien, en fait. Ça va durer une plombe. Ah, voilà. Bon, bah tiens, ça y est, voilà. On a un nouvel œil. C'est ça le rapport avec les yeux de tout à l'heure, certainement. Donc là, il y a un œil qui nous regarde. Donc. Oh tiens, mon layout n'est pas le même, il faudra que je le change. Voilà, on va virer celui-là. Alors, est-ce que c'était celui-là? Oui, ah, c'est plus joli quand même avec les serpents. Donc, il y a un œil. Il va falloir que j'utilise la magie. Donc, on va prendre le livre magique. Ça y est, j'ai déjà oublié les commandes du jeu, moi. Sort. On va prendre... Sort boule de feu, ça devrait être pas mal, ça. Oula. Ah, mais il fait mal, cet enfoiré, là. Alors, on va faire un truc. Déjà, on va prendre un sort de soin. C'est pas le bon, moi. N'importe quoi, c'est celui-là qu'il faut prendre. Voilà, on va prendre un bouclier, parce que du coup j'en ai un qui est un petit peu plus solide que d'habitude. Voilà, donc ça il a échoué dans son attaque. Je vais peut-être quand même prendre ça, ça fait quand même des dégâts ça. Ah merde alors, ça avec quoi qu'on le tape lui? Mince alors, il va falloir découvrir avec quoi on arrive à tuer cet ennemi. Alors on va changer d'arme. Alors déjà on va prendre, on va s'équiper en sort de protection déjà. On va commencer par là. Sympa tes escaliers, ça oui, bah oui. Bah ouais, ça résonne, hein. Il y a haut de plafond ici, donc la réverb doit pas mal circuler. Donc, on va prendre... Alors ça, c'est quoi? Résistance au poison. Non. Bouclier magique. Oui, on va déjà prendre celui-là. Ensuite, on va prendre... électricité, eau ou au froid. Je sais pas qu'est-ce qui nous balance cet ennemi-là en fait. C'est pas du feu. Peut-être de l'électricité, je sais pas. On sait jamais. On va le prendre au cas où. Et ensuite, je pense pas l'avoir atteint. Avec mon attaque boule de feu, on va voir quand même si c'est le bon moyen. Alors là, ça, je suis sur le cul, quoi. Parce que même avec mes protections, alors c'est que mes protections sont pas bonnes.
Si mes protections sont pas bonnes, donc je vais prendre d'autres sorts. D'autres sorts que cela. Quoi qu'il en soit, il faut que je prenne de toute façon le bouclier. Ça, c'est toujours ça de gagner. Voilà, défense 29. Je vais tout prendre. J'ai pas envie de chercher. Ah, si avec ça, là je suis blindé, hein. Si avec ça, il arrive à me toucher, là je vois pas quoi. Ouais, je vois pas trop. Alors je vais essayer de prendre l'attaque électricité. Putain, il arrive à me toucher quand même. Ah. Avec le sort électrique, j'y arrive. Par contre, la vache, il va falloir que je trouve à tous les coups un parchemin pour me défendre contre ces trucs-là. Parce que là, à chaque fois, ça annule tous mes sorts, ça va être chiant, quoi. Je dis, le stream, il va durer une plombe. Là, ah, mais à chaque fois il évite tout. Moi, comment est-ce que je peux m'en sortir? Voilà, pour ceux qui peuvent avec ça, non, j'ai dit que je prenais d'abord le sort pour me défendre. Ensuite, ça. Ok, ensuite visiblement, non, c'est pas ça que je voulais, c'est I pour le, ça, ensuite le sort, et on va prendre l'électricité, ça avait l'air de fonctionner. Voilà, eh ben ils sont durs à voir, hein. Je sais pas quel genre de dégâts c'est en fait. En parlant, on dit des trucs désagréables pour le déstabiliser. Dis-lui qu'il est couleur vert cacadois. Mais à qui? Je vais recharger. Je vais me balader avec un bouclier, ça suffira. Ouais, c'est un petit peu sinueux quand même, comme endroit. Oh merde, encore un. Alors, on va prendre, comme tout à l'heure, finalement, c'était la seule recette que j'ai trouvée potable. Ça. Ensuite, j'avais dit ça. Vache, on est mis quand même pas mal. Fait penser à deux niveaux à plus haut, j'avais eu le même problème, puis au bout d'un moment j'ai découvert le sort qu'il fallait et ça m'a permis de être tranquille. Par contre, il ne me touche pas souvent. Ce qui est quand même une bonne chose. Là, j'ai bientôt plus de pouvoir. Faut pas dire du mal des couleurs du CPC. Oh bah si, ça dépend des jeux. Hein. Après, faut. Voilà, c'est une couleur. C'est des couleurs qui sont assez vives, donc ça va. C'est vrai qu'il y a des ordis.
n'ont pas eu cette chance. Alors, je vais me balader avec... C'est toujours bon à prendre. Ensuite, je me balade avec le bouclier et je vais visiter un petit peu les contours. Ah, en voilà un autre. Donc, je suis arrivé où ? Je suis arrivé là, d'accord, très bien. Ah, elle est grande la map, hein. Putain, on n'est pas quitte, quoi. Qu'est-ce que j'ai dit ? Alors, inventaire, livre de magie, sort électrique. Ouais, une fois. Non, je crois qu'il faut le toucher trois fois. Deux fois. Hop. Je suis quand même en défense 29, c'est quand même pas mal, quoi. Ce qui me fout quand même un petit peu la paix. Alors là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Hop, on va se balader avec ça. Tiens, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Oh, encore un autre. Alors, sort de magie. Donc, c'est parti. Ouais, une fois. Deux fois. Trois fois. Ah, peut-être que l'attaque n'était pas assez forte. Merde. Voilà. Bon, c'est pas mal. Pour ne pas citer le C64. Ah si, si, si. Bon, je l'ai dit plein de fois, hein, que le C64, il a des couleurs palichonnes, quoi. On dirait qu'il est malade tellement qu'il est pâle. par contre, là, j'ai plus assez de... Hop, on va se reposer. Voilà, ok. Alors là, je vais prendre quand même un sort de défense. Un sort d'attaque. Hey, je suis pas mal en défense, hein. Il me touche pas. Hein. Heureusement, parce que quand il touche, il fait mal, quoi. Alors, j'en suis où, là? D'accord, je suis parti pour redescendre. Oh, elle a l'air immense, cette map, ce labyrinthe. Ça a l'air hyper sinueux. Ah, c'est quoi, ça? Je peux voir un truc, là-bas. Si, il y a un truc, là. Ah oui, là. Oh, tiens, un casque. Donc, celui-là, on va le foutre par terre. On va prendre celui-là, qui a l'air... Donc, qu'est-ce que d'or? Plus 3 en défense, plus 20 en chance de mode, c'est toujours bon à prendre. C'est bien, je suis en train d'augmenter ma défense. Parce que pour le dernier niveau, je crois qu'il va y en avoir quand même pas mal besoin. Ensuite, je vais partir vers la droite. Toujours se promener avec un bouclier, disait ma grand-mère. Ne sors pas couvert. Ça me sert à rien. Ça me sert à rien du tout. On va descendre. Visiblement, c'est par là qu'il faut aller. Voilà. Donc, je suis revenu par là. On va aller jeter un petit coup d'œil en haut à droite, tiens. Elles ne font pas toutes la même taille, les maps. Ben, en fait, oui et non. Globalement, la map, oui, en elle-même, oui, mais les pièces ne sont pas toutes de la même taille. Il y a de moins en moins de grandes pièces, de grands espaces. Et donc, ben, moins de couloirs, moins de directions. Parce que quand on découvre une pièce, ça élargit plusieurs pas autour de soi. Donc, là, apparemment, il n'y a que des petits espaces.
Tiens, bah, checkpoint en même temps. Enfin, ça permet de sauvegarder, c'est pas plus mal. Hop là. Tiens, ça m'a remis où ? Là, ok, d'accord. Oui, donc je peux pas aller vers le haut parce que du coup. Ah si, à moins que. Je peux pas aller en haut en venant de là. Ah non, tiens. Moi, je suis obligé de passer par là. Ok. Bon, c'est pas grave. Hop. Bon, il y en a partout de ces saloperies. 20% de batterie. Il faudra que je surveille ça. Là, de l'autre côté, ça va. Putain, c'est vraiment la misère de ne pas avoir de connexion. Hein. Inventaire. Livre de magie. On attaque direct. Là, mon sort de défense est parti. Déjà, on va se recharger. On reprend un sort de défense. On se recharge. Alors, on attaque une fois. Ouais, on se recharge. Bientôt à la fin. On a intérêt à dégager là. Une fois. Je vais être obligé de reprendre ça. Ah bah tiens, tant mieux, il y a une fiole, tiens. PS trop bas, non, c'est pas ça que je veux. Voilà. Et par contre, oui, les points de. Ça c'est quoi ça? 4 des éléments, 20% de résistance élémentaire. Ouais, non, ça c'est utile. Je peux pas me permettre de l'enlever. Hop, on va se recharger comme ça. On va prendre un sort. Hop, là, tac. Après, ce sera celui-là. On va y aller direct avec le bouclier. J'ai l'impression qu'il attaque pas en premier le truc. C'est une impression ou je me trompe? Coup, c'est bon. Yes. Alors, je vais par où? On va aller en haut plutôt. Oh oh. Alors, il y a celui-là. Une fois. Seulement que je me régénère. Ouais, je suis obligé de retourner là chaque fois, c'est chiant. Il va être là. J'y vais avec ça. J'y vais aussi avec. Je vais prendre une autre chose. Ça. Ça aurait été bien d'avoir sur le clavier finalement une lettre pour chaque icône en fait. Plutôt que de toujours faire inventaire et. Je ne sais pas si ça aurait été plus rapide ou pas. Ou avec le clavier numérique. Si Chris 24 était là, j'aurais peut-être pu lui suggérer s'il pouvait faire un patch ou un truc comme ça. Ok, jamais content du jeu. Hop. Hop. Wow. C'est juste. Hein.
Voilà. Ok. Oh là là, il y en a vraiment partout. Encore une fois. Ah. Ce sera 4 celui-là. Oh la vache. Putain la vache. Cool. Bon, c'est pareil, j'ai plus de fiole. Alors là, il faut peut-être une clé, hein, du coup. C'est pas la bonne clé, donc je l'ai pas encore trouvé. C'est pour aller ici, d'accord. Là, je prends des risques parce que je suis pas du tout protégé, voilà. Ah, puis c'est chiant de trouver un coin, on peut se régénérer. Ça, c'est peut-être cool, ça. Ah, je suis obligé de retourner là, chaque fois, c'est chiant. Ce niveau spécial lieu me fait regretter ceux avec plein de têtes bleues et blanches gelées. Celles qui faisaient la grimace. Ouais, bah, je sais pas. Moi, je trouve ça change, quoi qu'il y ait des ennemis différents. Ça change un petit peu. Donc ça, c'est mes stats. Voilà. Hop. Alors, on y va avec un bouclier, déjà pour commencer. On va même y aller avec ça. Voilà. Okay, on y va. Je sais pas pourquoi à chaque fois je prends le bouclier, parce qu'en fait il attaque pas en premier en fait. Et de 1. Et de 2. Ah maintenant il en faut 4. Ah là il m'a bien touché par contre. Eh bien, celui-là, il était coriace. Tout ça pour rien, en fait. Tout ça pour que dalle. Hein. Gagner des XP. Donc là, je devrais me téléporter si je veux aller au-delà du portail. Donc ça, je verrai plus tard. Je vais déjà visiter tout ce qui est visitable. Ok, là je peux me ressourcer à cet endroit-là. On va se balader avec ça. Et voilà. Hop, allez, c'est reparti. Voilà. Ensuite, sort d'attaque. Ah non, alors faut 5 coups dans la gueule. Et là, il n'y a rien de spécial. Et là non plus. Ok, d'accord. Ça sent la téléportation forcée, ça. Ensuite, on va descendre. D'y aller avec le bouclier. Ah bah si, ah bah là pour le coup s'il m'attaque. Ah il m'attaque uniquement quand je suis pile en face en fait. Moi, je l'ai touché deux fois.
chiant. D'accord, allez. On s'en débarrasse, voilà. D'accord, j'ai plus de pouvoir magique. Alors que je me ressource, c'est vraiment pas de couilles ça. Hop, on reprend ça. On reprend ça, et on y retourne. Il va crever. Voilà. On va voir ce qu'il y a par là. Hop, on recommence. En fait, il n'y a que ça ici. Hein. Il n'y a que des yeux. J'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus forts. Hein. C'est pas trop tôt. Ah, puis là, j'ai plus de pouvoir magique. Ouais, pas de choix, je suis obligé d'aller par là. Oh, et puis il me suit, ce gros connard, là. Putain. Puis moi, je me suis paumé dans la map à tous les coups. Ah bah oui, je suis pas du tout parti au bon endroit. Là, j'en ai deux en fait qui me courent après. On va y arriver à ce dernier niveau. Hop. Ah non, je suis déjà allé par là. Merde, je suis barré où moi? Ah non, j'ai pas pris la bonne entrée. Hop. Non, c'est pas le bon. Ah bah non. Il y en a un autre normalement. L'autre, je l'ai laissé où moi? C'était peut-être là-haut. Voilà, ici. Allez, crève! Voilà, faut taper plus fort sur la barre d'espèce ou quoi, là? Ah, ça y est, j'ai monté en XP. L'ennemi est mort. Plus 140 XP, niveau 19. Vous êtes au niveau 19. Choisissez une stat à augmenter. Force, dextérité ou esprit. Force, c'est avec les armes de mêlée. Alors là, je vais avoir surtout à me battre avec la magie. Donc je pense que je vais encore augmenter la magie quoi. Et après il faudra que j'augmente la dextérité à un moment donné quand même. Oh quoi que. Ouais, l'esprit. Allez, 3. Voilà, donc lui il gardait absolument rien. Ah, on voit un autre. Et 2. Thank you.
La vache, lui, il lâche, quoi. Ouais, bon, je crois pas que la magie est plus efficace qu'avant, quoi. Y a rien, et là y a rien. Bon, au moins, j'en ai pu remettre quoi. Je sais ce qu'il y a là. J'en suis où? Bon, j'avance quand même pas mal quoi. Bon, je vais finir de visiter la partie inférieure droite. Ok. Donc ça, en temps normal, j'en aurais besoin. Là, ça va m'éviter de venir. Tac. Continue d'aller par là. Oh, une clé. Ah, bah tiens, tous les coups, c'est la clé que je cherchais. Alors, du coup, j'avais déjà une clé. La clé est de Jade, mais ça se trouve, elle ne me sert à plus à rien. Je vais la laisser là, au cas où... Au cas où... je regarde dans la map où est-ce que je l'ai laissé. En bas à droite. Ok. Il faut que je m'en souvienne. Je vais tester l'autre clé dans la serrure de tout à l'heure. Si jamais c'est pas ça, je reviendrai par là pour venir le chercher. Voilà, on était ici. Voyons voir. Ah, c'est la bonne. Ok, bon, alors attention, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Attends, un bouclier. Ah oui, ce qu'il veut pas faire. Hop. On va prendre un sort comme ça, comme un œil. Ah non, il y a juste un portail. Ok, très bien. On en met nous le portail là. Je suis curieux quand même. Checkpoint. Ah tiens. Oh non. Niveau 16. Oula, oui, d'accord. Alors je vais revenir là d'où je viens, d'accord. Bon, ça c'est le portail de sortie, quoi. De... Ah merde. Et je fais comment pour revenir, moi? Tiens, il n'y a pas de portail pour revenir. Mais c'est pourri ça. Puis je me rappelle plus moi. J'ai pas envie d'être au niveau 16 tout de suite quoi. Il va me manquer des trucs. Donc ah, il y a un interrupteur, j'ai pas vu. Un interrupteur pour actionner certainement le portail qui me permet de revenir. Ah merde! Bien, bien, approche, tu seras le chef de ma nouvelle armée de morts, tu as juste à me donner ton âme, ha ha ha. Donc ça, c'est le méchant, qui est très très joli. On pourrait lui dire, tu es joli, le méchant. Alors, c'est très bien tout ça, mais du coup, je fais comment moi, pour revenir au niveau d'avant? Ça sent le... Oh tiens, il y a un parchemin là. Le sort d'invisibilité. Ouh, c'est très utile ça. Ben, on va prendre le livre de magie. On va l'utiliser tout de suite parce que de mémoire, le boss... Oui, je suis au boss, mais je ne veux pas y être. Je voulais pas ça. Moi, je voudrais revenir au niveau d'avant, quoi. Mais il n'y a plus de portail. J'aurais pas dû y aller en fait. Donc je vais prendre le sort d'invisibilité. Au moins comme ça, si je tombe dessus, bah, il me verra pas. Alors, on peut sauter une case, chute lente, invisibilité. Voilà, pendant 100 tours. Ok, je vais... comme ça je vais explorer la map du dernier niveau.
Et puis, si je tombe sur le portail, alors, puis vous allez peut-être voir sur l'écran, à un moment donné, on va forcément tomber sur le boss, mais il est censé pas nous voir. Voilà, hop. Et puis comme il n'y a pas de décompte du nombre de pas, j'aurais peut-être dû les compter. Ah, là vous le voyez, hein, le boss. Par contre, lui, il ne me voit pas. Lui, il ne me voit pas. C'est un peu pourri là cette histoire parce que du coup je ne me rappelle plus ou pas comment est-ce qu'on fait pour revenir en arrière. Faut que je surveille mon indicateur de sort. Il n'y a pas le sort à marcher sur la pointe des pieds. Pour pas faire de bruit. J'ai pas un sort en rapport avec le bruit. Téléportation, sauter une case, lévitation. Résistance, parce que là il me manque deux cases là dedans là. Il y a un autre sort que j'ai pas et un sort d'attaque que j'ai pas là non plus quoi. Là, je longe les murs hein, quand même. Un boss de fin qui ne détecte pas les illusions n'est pas digne d'un boss de fin. Ouais, ben attends qu'il me voit, qu'il me repère et qu'il me chope. Là. Je pense que là, pour l'instant, je suis tranquille parce qu'il ne me voit pas, mais... Ah, il y a une autre partie de la map. Ah, voilà. Donc là, il faut que je réutilise mon sort. Je pense que je vais compter le nombre de pas pour être sûr de ne pas me faire avoir... je vais en même temps utiliser la cape de magie qui régénère mes pouvoirs. Tous les 4 pas, 4 points à chaque pas, parce que je vais en avoir besoin de ma magie. Fait 6 pas déjà. 7, 8. 9, 10. Ok. Là, je suis barré où? Ok, je suis revenu presque au début. Je vais finir d'explorer ce que je n'ai pas encore dans ma map. Une fiole d'énergie. Oh là! Bonjour monsieur, enchanté. Je vous laisse. Hein. Vous êtes occupé. Voilà, en même temps, il regarde toujours dans ma direction, donc je suis un peu flippé quelque part. Donc là, j'ai exploré toute la map. Problème. Alors non, il y a aussi les côtés. Je crois savoir comment c'est déjà les côtés. On peut tomber dans les trous volontairement pour aller sur les coins. Alors, moi, je voudrais revenir au début. Je vais me téléporter. La méthode du lâche. Sort de téléportation. On va laisser téléporter là. Je vais
vais retaper dans ce truc-là en espérant que ça fasse apparaître. Que dalle. D'accord, ok. Donc, j'ai pas le choix. Je suis obligé d'être là-dedans. Oh, ça me fait chier, tiens. Je me demande ce que j'ai pas pu terminer dans le niveau 16 maintenant. Alors. Donc, il va falloir une stratégie. Le boss ne me voit pas, donc, quand je suis invisible. Il va falloir que je m'arme de pas mal de sorts d'attaque, de défense. Et il va falloir que j'utilise mon bouclier et dans un premier temps que je vide les bâtons magiques. Ça me permettra d'avoir un maximum de défense. Et ouais, je pense que je vais faire comme ça. Il faut s'apprêter à fuir. La fuite est salvatrice. Alors là, je joue avec le feu parce que je n'ai pas ma cape d'invisibilité. Déjà, je ne fais absolument n'importe quoi parce que... Tiens, un bug ou quoi là ? Ça c'est marrant ça, quand j'approche ma magie descend. D'accord, curieux ça. J'ai pas souvenir que ça faisait ça avant. Donc déjà on va se rendre invisible. On va utiliser pour se défendre. On va prendre ça. Ça. Et ça. Et on va utiliser donc les bâtons magiques qui vont pas pomper dans ma barre de magie. Et là j'ai 100 tours pour trouver le boss. Je vais y aller avec dégâts de feu et mon bouclier. Donc là en défense je suis à 34. Bug pas possible. Z-Square était bêta testeur. Bah, c'est pas parce que j'ai testé le bazar qu'il n'y a plus de bug. Hein, après. Mais bon, là, a priori, ça a l'air d'être pas mal. Alors, tout à l'heure, je crois qu'il était à gauche, le boss, vers la gauche. Je me suis pas mis en mode... j'ai oublié mon sort de truc, là. Il faut que je sois invisible. Quel con. Voilà, là il me voit plus. Je vais lui balancer des trucs dans la gueule. Wow. Wow, ouais. Voilà, vache, tout ce qui me nique d'un coup, lui. D'accord. Bon, je vais partir de quel côté, moi? Quand je dis il faut prendre la fuite, si je fais la fuite à gauche, je me suis? Ah ouais, d'accord. Ah, mais je suis plus invisible déjà. Comment ça se fait, ça? Ah, c'est peut-être parce qu'il m'a vu, donc du coup, ça a annulé le truc. Non. Les boules, quand même. Là, je comprends pas trop comment ça marche. Déjà, je vais me remettre un petit peu parce que là, je suis complètement à sec. Eh, hey, mais je suis déjà plus invisible. J'ai même pas fait 100 pas. Alors là, par contre, il y a un souci, quoi. Ou alors, il y a une difficulté que j'ignore.
J'ai pas le choix, hein. Je suis obligé de me remettre en. Bah oui, pendant 100 tours, j'ai pas fait 100 pas là. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Là, je me suis retrouvé au début. Parce que j'ai l'impression que ma magie descend au fur et à mesure que j'avance. Il y a un truc. Ouais, je dois me dévoiler en attaquant, mais il n'y a pas que ça. Quand je me déplace, à tous les coups, il me faut un sort de protection contre. Il doit irradier, en fait. Et à tous les coups, ça me fait perdre ma magie. Je vais regarder quand même ce qu'il y a. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme sort possible? Chute lente, non. Téléportation, non. Sauter une case, non. Lévitation pendant 100 tours, non plus. Bouclier magique, je l'ai tout le temps, donc ça a pas joué. Résistance au poison, ça change pas. J'ai tous les sorts défensifs, donc je comprends pas. Résistance au feu pendant 100 tours. Non, j'ai rien d'autre. Invisibilité, chute lente, téléportation, sauter une case. Je comprends pas trop en fait là. Là, je suis bien Keblo. Comment est-ce que je peux faire? Ah! Dissiper le silence. À tous les coups, il m'entend. Je vais prendre un sort de dissipation du silence et je vais voir si ça influe sur ma barre de magie. Ça, plus l'invisibilité. Ah merde, PS trop bas, fait chier. Alors je crois que j'ai vu qu'il y avait des fioles là. Voilà. Ok. On va se mettre là. Et on va recommencer. Alors déjà, ça, il m'entend pas. Il me voit pas. Alors ça m'a annulé l'autre truc là. Putain, la gueule. Ok, alors je recommence. Dissiper le silence. Il y a un problème. Il me fait pas d'effet. Donc c'est pas ça. Donc c'est pas ça. Là, franchement, oh mince, mon ordi, je vais aller chercher où on a eu. Voilà. Bon. Je sais pas comment faire là. Là, je sais vraiment pas comment faire. Oh merde, la scène OBS c'est dégueulasse là. Fallait me le dire. On peut mettre l'écran plus grand que ça. C'est pas ça.
Winape. C'est vraiment à chier. Hop, voilà. Je vais même le remonter un petit peu parce que. Voilà. Bon, il n'y a pas d'effet. Ça fait pas d'effet dissiper le silence. Tiens, salut Shoryu, bonsoir. Ah, tu tombes bien, je suis bloqué. J'étais au niveau 15. J'ai fait le curieux, j'ai vu un portail, ça m'a envoyé au niveau 16. J'arrive pas à revenir au niveau 15. J'ai pas envie de faire le niveau 16, je suis tombé sur le boss, mais en fait, tous mes sorts sont annulés. Et c'est donc un peu la merde. Là, ça fait remonter ma barre de trucs, mais bon, ça ne sert strictement à rien. Ah oh, la vache! Ma magie descend d'un coup. Et là, elle remonte. Et là, il y a un problème ou pas dans le jeu? J'ai pas souvenir que ça faisait ça avant. Il suffit que je fasse ça, que je m'approche. Là, je suis à fond, là, en énergie. Je pense qu'il y a peut-être un petit bug. Il faudra que je demande à Chris la prochaine fois. Ça se trouve, c'est moi qui comprends rien. Bon, là, ma barre de stamina se casse pas la gueule. Ok. Alors là, je vais me reblinder de sort, on va bien voir. Je vais reprendre. Alors, dissiper le silence, ça ne marchait pas. Je reprends l'invisibilité. Ça me prend toute ma barre de magie. Fais voir la map. Bah, la map, je suis là, quoi. Alors, tu me diras, il reste les coins. Les coins, dans mes souvenirs, c'est quand on tombe dans les trous. Mais je me souvenais plus, je me souviens pas d'avoir eu à aller là pour avancer dans le jeu, quoi. On va y aller, hein, mais j'y crois pas trop, quoi. J'aurais pu prendre aussi chute lente. Bon, là, il y a un portail qui me ramène en haut. Quoique, je sais pas si les portails qui reviennent, ça me remet où. Ah non, ça me remet dans les coins. Mais je veux pas y aller là. Hein. Puis mon énergie est à zéro. Donc c'est la raison pour laquelle j'utilisais ça. Ouais, alors c'est un petit peu étrange. Hein. La jauge de magie a fait des à-coups comme ça. C'est pas normal. Je vais me re-téléporter. Je vais me téléporter là. Ouais, c'est le dernier niveau, ouais. Oui, c'était tranche ta barre d'esprit. Est-ce que toi, tu l'as fini il n'y a pas longtemps? Ça t'a pas fait ça, toi, au dernier niveau? Et là, toi, diminue ma barre d'esprit. Tu vois, regarde, si je m'avance par là, pouf, elle redescend à zéro. Et là, boum, elle remonte d'un coup. Ça, c'est pas normal, ça. Ça, c'est pas normal. Ouais, j'ai peut-être pas pouvoir finir le jeu à cause de ça, moi, hein, du coup. Hein. Parce que ça va, c'est vachement handicapant, quand même. Je vais reprendre ça. Je vais reprendre l'invisibilité. Je vais tomber dans un autre trou. Pareil, mon sort d'invisibilité, au bout d'un moment, il se barre, mais avant les 100 tours. Donc, c'est étrange aussi, ça.
n'y avait pas des ennemis dans ces parties-là, il me semblait qu'il y avait des... Ouais, il me semblait bien qu'il y avait ça là. Mais là, il n'y a pas de portail qui me permette de revenir à... Téléportation, je vais aller plutôt ici pour tomber dans ce trou-là. Ça m'a emmené ici, ok, d'accord. Wow, alors lui, il fait chier. Je dois aller par là. Je vais voir si. Non, je vais me retéléporter ailleurs. Moi, bon, je vais me téléporter derrière lui. J'ai encore de la... j'ai encore des ressources. Joue avec le feu. Un autre, alors c'est lequel? C'est celui-là. Ok, alors il va m'emmener où lui? Ouais, forcément, ici, ça m'intéresse pas du tout, quoi. Peut-être le fait de se rapprocher de l'esprit maléfique vide le niveau d'esprit prématurément. Là, c'est ce que je me suis dit, mais c'est pas logique parce que même quand je m'en éloigne, quand je suis dans une partie safe en bas, ça me le fait. Donc c'est pas logique du tout. Et s'il y a un sort que je suis censé avoir et qui est dans le niveau d'avant, ok, mais alors je fais comment moi pour retourner dans le niveau d'avant? Parce que je vois aucun portail qui me permette de revenir en arrière comme c'était le cas sur tous les niveaux. Là, je suis vraiment bien bloqué en fait. Hein. Bon, je vais me retéléporter au début tant qu'il me reste. Voilà, je vais retourner ici. Voilà, je remets ma cape qui me permet de remonter ma magie. Voilà, là, elle remonte normalement. Je peux même faire ça, à la limite. Là, ça ne fait plus rien. Peut-être qu'en faisant R, ça recharge l'énergie d'une autre façon. Et peut-être que ça annule le bug. Je sais pas. Des fois, il y a des. Je dis que c'est un bug, mais j'en sais rien. Hein. En plus, on va reprendre l'invisibilité. Alors là, ça me vide toute ma barre de stamina. Et si je rebouge. Si j'utilise. Merde, c'est pas ça que je voulais voir. Je suis presque sûr d'être passé du 16 au 15, mais je ne sais plus comment. Ben ouais, moi non plus. Moi non plus, je sais plus comment. Normalement, on peut toujours, quoi. Bon, alors je vais recommencer. Ça, c'est quoi? Fuite rapide. Ok, on s'en fout. Alors, dissiper le silence, visiblement, ça marche pas. Pas d'effet. Donc, le truc est complètement inutile. Invisibilité, ça va me prendre toute la barre d'énergie. Ah, bah là, cette fois-ci, non. C'est complètement random. Je trouve ça pas logique. Voilà, alors je prends un bouclier, ça m'annule mon invisibilité. Alors si je prends l'invisibilité après, ça marche. Ouais, il y a un souci là. Il y a un souci quand même. Je trouve ça pas normal. Je vais aller visiter les autres coins, voir si je peux pas tomber. Ah,
dans ce puits-là. Non, ça me ramène à... Moi, je suis déjà allé par là. Là, ça m'a emmené dans un truc à l'ailleurs. Ok. Donc, j'ai pas envie de combattre là. Je suis en train plutôt d'explorer. Il est là. Je vais le porter ici. Il va le mettre dans le coin droit. Ouais, ben voilà. Logique. A priori, ma barre de magie se stabilise à cet endroit-là. Et si ça m'emmène où? Ok, donc en fin de compte, ça, c'est toujours à l'opposé. Ok, d'accord, j'ai compris. Dissiper le silence, ce n'est pas pour rendre silencieux, c'est pour enlever la malédiction du mutisme. Ouais, je sais bien, mais bon, dans le doute, je me suis dit peut-être que ça, voilà, ça allait marcher là aussi, mais non. Ça ne marche pas. Bon, je vais me re-téléporter ailleurs, histoire de tester d'autres puits. De magie, sort, téléportation. Donc si je veux aller à l'opposé, à tous les coups, il faut que je tombe dans un puits qui est là. Ok, c'est bien ça. Alors par contre, lui il va par là. Ok, alors moi si je vais par là, non, par contre je peux aller par là. Ça va aller où? Ici, il faudrait que j'aille là-bas. Il fait chier, putain! Je vais me téléporter ailleurs. Je vais me téléporter genre là, histoire de faire chier. Oh merde! Bon, c'est pas grave, de toute façon, je suis bloqué. Peut-être qu'une fois que le niveau est réinitialisé, c'est peut-être mieux, je sais pas. Parce qu'en fait on retrouve les mêmes choses. Là il y a le méchant qui va causer. Voilà, blablabla. Donc là il y avait un sort à choper qui est par terre. Donc un sort a pris. Livre de magie dans la main. Visibilité. Je vais prendre ça, je vais prendre ça. Je vais aussi voir si est-ce que je peux pas prendre autre chose. Chute lente, non. Téléportation, non. C'est une case, non. Lévitation. On peut passer au-dessus des troupes. Hein. Ça va m'apporter quoi de... Peut-être de pas marcher sur le sol. De faire moins de bruit. Ah ouais, non, ça marche pas. Ça m'annule mon sort de d'invisibilité. Oh non, il y a un problème dans le jeu. Hein. Ah ouais, non, je trouve pas ça logique, quoi. On a un ordre maintenant dans les sorts qu'on prend. C'est pas normal, ça. Ah, puis c'est con, parce que là, du coup, Chris, il est pas là. Il aurait pu s'apercevoir si c'est normal ou pas, quoi.
Donc ça marche. Je sais franchement pas quoi faire. De toute façon, que je le finisse ou pas, c'est le dernier stream sur le jeu, donc depuis quand même un bon paquet de temps. Par retomber sur le boss. Ouais, mon bouclier annule l'invisibilité. En fait, comme s'il y avait un ordre, en fait. Je comprends pas pourquoi. Ouais, puis là, je peux rien faire, quoi. Je peux rien faire parce que j'ai plus de PS. Donc, je vais remettre ça pour récupérer un petit peu. Faire des allers-retours comme ça. Comme un bourrin. Bah là par contre le boss il a pas trop envie de se montrer. Bizarre. Il est étrange ce niveau là quand même. Une heure 25 de stream. Ouais, si c'est pour que dalle, ça va rien nous donner. Ça ne donne rien à personne, du coup. Moi, je suis plus invisible. De toute façon, je suis dans une zone sécure. Hop, donc on va reprendre les sorts dans l'ordre. Donc l'invisibilité, on la prend à la fin, finalement. On va vérifier ça. Lévitation.
Tiens, ça. Oh là, non. On va prendre. Ouais, ensuite, on... Et puis là, ma jauge de magie est complètement descendue. Non, il y a un bug. Hein. Il y a un problème dans le à ce niveau-là. Quoi. C'est pas normal que la jauge elle se barre d'un coup comme ça. Il y a un souci dans le jeu. Surtout que là, j'en avais plus. Hein, et elle est remontée alors que j'ai pris un sort. Ouais, donc il y a bel et bien un bug en fait. Merde. Bon, bah, faudra que je le signale. Faudra que je le signale. Du coup, il faudra que je filme un disquette à Chris pour qu'il regarde dans ma partie, qu'il refasse les mêmes manips. Et si tu appuies sur le bouton, ça fait rien? Non, ça fait rien du tout. C'est complètement inactif. Là, si je fais ça avec donc, la hache, ça va faire rien du tout. Donc, je vais même essayer de lancer un sort de loin, mais ça va pas donner grand chose. Un truc qui prend pas beaucoup de magie, genre ça. Ça n'a rien actionné. Non, je pense qu'il y a un petit bug quelque part. Après, est-ce que ça vient du fait que je sois parti dans le niveau 16 prématurément? Ça, je ne sais pas. Bon, bah, je vais y aller avec tout ça. Plus l'invisibilité. Voilà. Et si je tombe sur le boss, bah tant mieux. Je crois qu'il était par là. Alors s'il apparaît plus, c'est la grosse loose quoi. Ah le voilà. Voilà, je me recule. Il ne me voit pas. Bon. Je vais faire un truc au cas où il y aura un bug. Soyons prudents. On va vérifier quand même quelque chose. Touk. Bureau. Alors, pour l'instant, j'ai tout. J'ai toutes mes défenses, sauf le poison. Mais là, le poison ne va pas se donner grand-chose. J'ai ma cape qui me permet de me défendre contre les sorts. J'ai un collier de force qui va me servir à rien. Je ne mets pas. Ça, c'est pour la résistance au froid. Ça ne me sert à rien. L'anneau de l'archer, ça ne servira que dalle. L'anneau du mage, plus 2 en esprit, ça par contre je le garde. Par contre le collier nordique et le collier de force, c'est ce qu'il y avait à la place donc de l'amulette de sorcellerie, ce qui est quand même assez utile. Ça se trouve, il te manque un sort du genre retour. Bah, en fait, en sort, j'ai ça en fait. J'ai chute lente, invisibilité, téléportation, sauter une case, lévitation. J'ai fuite rapide. Alors, résistance au froid, résistance à l'électricité, résistance à tout ce que tu veux. Revitaliser, bénédiction. J'ai deux choses qui me manquent. Mais moi, je veux bien aller les récupérer dans le niveau 15, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc, c'est quand même con, quoi. Il a quand même dû le prévoir, ça. Alors là, si je l'attaque, il va me repérer, forcément.
Voilà, je suis plus invisible. Je suis plus du tout invisible. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a le... Vous êtes muet pendant 100 tours. Ouais, super. Je vais faire dissiper le silence, mais... Voilà, quoi. Sinon, je peux pas utiliser de magie, mais bon... Là, je vois vraiment pas ce qu'il faut faire. Déjà, je trouve que par rapport à la bêta, le jeu réagit pas exactement de la même façon à ce niveau-là. Et je vois pas de quoi ça vient. Bon, hop, déjà, il faut que je fasse ça, pas le choix. Voilà, silence dissipé. Je vais remettre mon invisibilité. Je mets ça pour récupérer. Bon, pour moi, il y a un petit problème quelque part, mais je ne peux pas l'identifier. Je suis là, je vais essayer de remonter. Il a tendance à être vers le haut à chaque fois. Là, le jeu m'amuse plus en fait. Là, le jeu me fait chier en fait. Et puis là, j'ai tous mes sorts qui se barrent les uns après les autres. Là, le jeu me fait chier. Ah. Donc là, là. Servir à grand chose, mais on va tester. Voilà, duel. En fait, il peut pas s'approcher là quand je suis face à ça. Puis là, il me voit, donc je peux rien faire de spécial. Ah ouais, non, il passe par-dessus sans problème, ok, d'accord. Non, bah je sais pas. Je vais arrêter le stream là parce que il n'y a rien à faire. Je peux pas revenir sur le niveau d'avant. Je peux pas finir ce niveau-là. La jauge de magie, elle fait n'importe quoi. Ouais, voilà. On va rester dans le noir. Voilà, on va rester dans le côté sombre. Finalement, c'est peut-être bien de faire partie de l'armée des morts, tiens. Ça peut être cool. Parce que tout à l'heure, quand j'étais face à lui, j'avais fait une safe state pour vérifier. Non, c'est comment déjà qu'on fait. Ouais, voilà, 5, ça. Il n'y a rien à faire, en fait, parce que du coup, voilà, la moindre attaque, déjà, on n'est plus invisible. Donc déjà ça c'est chiant. Là je suis re-invisible mais bon. Ça fonctionne pas. Il n'y a rien qui fonctionne en fait. Boule de givre, ça va changer quoi? Non, ça change absolument rien. Parce que je peux plus rien lancer, donc c'est de la merde. Bon, moi je vais arrêter là. Par contre, c'est con parce qu'il m'avait sauvegardé en loop checkpoint. Quitter le jeu, hein, oui. Voulez-vous sauvegarder? Bah non, j'ai rien à sauvegarder. Je vais vérifier. Ça sert à rien. Donc voilà. Donc le jeu n'est pas fini et il sera pas fini. Tiens, quand ça fait que c'est éteint ça. Et le jeu ne sera pas fini, donc il y a un bug, donc bah, je sais pas, j'en parlerai à Chris24, je crois que c'est Chris24, son pseudo.
voir qu'est-ce qu'il en pense, si c'est vraiment un bug, ou alors si le fait de ne pas avoir pris suffisamment de choses dans le niveau 15, je ne sais pas. C'est un peu un mystère. Et je ne peux pas revenir au niveau 15. Donc, voilà, 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 voilà. C'est quoi ça? Bon, eh ben, bonne soirée à tout le monde. Et puis, alors c'était le dernier stream Amstrad CPC de l'été. Il y en aura peut-être sur d'autres machines, je sais pas trop. Ça va dépendre si j'ai le temps, parce que la rentrée va reprendre et je vais avoir pas mal de boulot. Donc, je verrai bien. Donc, voilà. Bonne nuit tout le monde.